Jamais de mémoire de Saint-Louisien, le Festival international de jazz de Saint-Louis n'a autant souffert dans sa programmation. La tête d'affiche américaine Marcus Müller a déclaré forfait à la dernière minute. Les officiels ne veulent pas communiquer sur les raisons de sa déprogrammation, encore moins sur le nom de son remplaçant. Prétexte, la sécurité nationale. Et c'est justement la sécurité nationale qui continue de plomber la popularité de cette 24e édition. En effet, ici à Saint-Louis, lors de la rencontre d'harmonisation hier entre la presse et Saint-Louis Jazz, cette dernière a dénoncé la militarisation exagérée de la sécurisation des hôtels et autres lieux de réception du public festivalier. Aujourd'hui, c'est la foire commerciale qui sauve l'honneur, permettant ainsi aux uns et aux autres de faire des affaires.